Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc toujours unboxing partenariat avec la boutique Crafties. Donc je vous présente aujourd'hui la toile que j'ai reçue dans mon 8e colis. Donc c'est un partenariat maintenant qui dure depuis un petit moment. Ça fait environ 10 mois que je suis en partenariat avec la boutique Crafties. Du coup, je vous présente aujourd'hui ma 8e toile, donc mon 8e colis qui est arrivé aujourd'hui. Donc hop, vous avez le colis ici. Je vais comme d'habitude enlever donc la première partie protectrice. Alors vous avez toujours le message fragile, mais quand on regarde la forme de la boîte, ben, on se dit que ils y font toujours attention. Donc bien sûr, je parle pas de la boutique, hein, je parle des livreurs. Donc là, ça arrive à chaque fois par la poste, mais avant d'arriver par la poste, hein, bah, bien sûr, comme ça vient de Chine, forcément, bah, la boîte est malmenée. Hop, voilà. Donc j'enlève ce premier plastique. Je vais le coincer sur le côté parce que comme vous devez le voir, il y a un petit peu de vent, il y a quelques petites averses. Mais avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, je vous avoue que ça fait quand même du bien. Donc voilà mon DP, donc dans une boîte en carton, mais qui, bah, comme d'habitude, est un petit peu en travers. Hein, donc à l'intérieur se trouve une toile en 50 par 50 et en diamant carré. Alors c'est une toile qui est existante dans la boutique Crafties, hein. Je n'ai pas fait faire de personnalisé pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé cette toile superbe. Donc c'est une toile, en fait c'est une illustration d'un dessin animé qui date quand même depuis un bon moment maintenant. Désolée pour le bruit, hein, y a les voitures qui passent juste dessus. Et en fait, l'illustration est pleine de couleurs et ça m'a vraiment, vraiment plu. Alors, donc, à l'intérieur du kit, j'ai des feuilles donc de papier sulfurisé, hein, pour remplacer le papier de protection transparent. Hop. Ensuite, alors, comme d'habitude, on a le toolkit. Donc, dans le toolkit, j'ai 3 stylets. Bon, étonnamment, par rapport à d'habitude, on a 3 stylets, du coup, ils nous mettent 3 mousses. Là, j'en ai que 2. J'ai 2 pains de colle, une pince donc en métal gris, mais vraiment celle qui se plie dans tous les sens, donc qu'on n'utilise pas. Et du coup, comme j'ai 3 stylets, j'ai 3 embouts simples, hein, et j'ai aussi 3 multiplacers. Hop. Donc c'est un toolkit maintenant que vous connaissez. Et à l'intérieur, donc j'ai 2 sachets, hop, de diamants. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs différentes. Dans celui-là aussi, je ne le retourne pas parce qu'il y a l'image. Hop. Donc j'ai choisi des diamants carrés puisque cette toile est disponible soit en diamant carré soit en diamant rond, vous avez le choix. Alors donc c'est une toile qui comporte 39 couleurs. Hop. Donc bien sûr, comme d'habitude, ce sont des DMC et regardez, donc c'est cette illustration. Et donc c'est Blondine. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé. Moi je le connais. Alors je ne pourrais plus vous dire si c'était quand j'étais petite ou un peu plus grande, mais je sais que je l'ai vu, ce dessin animé. Et donc c'est l'héroïne du dessin animé, hein, Blondine. Avec à côté, je me rappelle que lui aussi c'est un. Il me semble que c'est un nuage. C'est le copain de Blondine, je me rappelle vaguement, hein, je vous dirais que ça m'a pas non plus, c'est vraiment l'image qui m'a marqué de ce dessin animé. Et avec toutes ces couleurs,
je me suis dit pourquoi pas. Franchement, je trouve que c'est une des toiles que propose Crafties qui fait partie des toiles les plus colorées. Hop. Donc j'ai des diamants carrés et qui sont en sachet ribambelle. Et vous voyez, il y a plein de couleurs. Hein. J'ai du rouge, j'ai du orange, du turquoise. On a du bleu clair qui tire un peu sur le vert. Il y a du jaune, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. On a du bleu un petit peu plus foncé. Il y a du gris, il y a du beige. Et dans celui-là, vous avez encore, donc vous avez plusieurs verts. Il y a du violet, du rose. Il y a vraiment pas mal de couleurs différentes. Hop! Et donc, voici la toile. Alors, on va regarder si ça colle bien, mais en général, voilà, chez Crafties, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, papier de protection transparent, et regardez-moi comme elle est choupinette. Donc, bien sûr, table des matières, comme d'habitude, en haut et en bas, ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, les symboles sont super visibles. Je me la rapproche d'un peu plus près. Il n'y a vraiment aucun souci pour voir les diamants. Donc c'est une 50 par 50. Hein, donc c'est une belle taille pour cette illustration. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je pense que je vais me régaler. Mais comme vous le savez, j'ai pris du retard dans mes toiles Crafties. Donc j'en ai encore quelques-unes à faire avant celle-ci. Mais en tout cas, elle est juste sublime. Donc je suis vraiment pressée de la faire. En plus, encore une fois, c'est des diamants carrés et je l'avoue, je n'ai pas encore commencé ma toile en diamant carré, en tout cas la première toile en diamant carré. Et puis du coup, ben, je dois avoir bien 3 toiles au moins de la boutique Crafties en diamant carré, mais je ne sais pas encore ce que ça donne. J'espère pouvoir vous le dire bientôt, mais c'est vrai que là, avec la chaleur, le travail, etc., ben, je vague un peu à d'autres occupations aussi que le diamond painting. Donc du coup, j'ai pris du retard, mais que je rattraperai un peu plus tard. Hein. Comme on le sait, après l'été vient l'hiver, et là, au niveau de l'hiver, quand il fait froid, on a plus tendance à rester un peu plus à la maison, et du coup, on a tendance à faire un peu plus de diamond painting. Donc je me rattraperai, ça c'est sûr. Donc en attendant, bah écoutez, moi je la trouve très jolie. Et puis bien sûr, bah je vous ferai un retour, hein, comme d'habitude, sur toutes les toiles que je réalise de la boutique Crafties. En tout cas, je peux vous dire que pour le moment, sur les toiles que j'ai réalisées, sur les 8, j'ai bien dû en réaliser 4 ou 5. Et franchement, j'ai jamais rencontré de problème, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, voilà pour la nouvelle toile de cette boutique que j'apprécie fortement. Donc écoutez, bah, je leur dis encore un grand merci de leur confiance. Et puis écoutez, bah, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.